Yé pas tout le monde! Alors aujourd'hui j'ai eu envie de traiter un sujet en fait sur les habitations alternatives ou encore mobiles, temporaires, permanentes et tout ce qui tourne autour en fait de la réglementation des habitats légers. Voilà, il y a un grand mouvement qui se met en place. On pourrait l'expliquer de différentes manières. En fait, le premier, je dirais, bah, c'est un contexte économique et de crise. On a eu la crise des subprimes, voilà, en 2007 avec bah, une crise immobilière aux États-Unis. Et cette crise, en fait, par un effet domino, elle est venue amener de nombreuses difficultés également, notamment en France. Donc voilà, il y a des gens qui n'arrivent plus à se loger et qui cherchent des solutions alternatives en résidence principale, notamment. Alors, pour revenir sur la réglementation, donc autour, on va dire, des caravanes, des mobil-homes, des roulottes, des tiny houses, voire même des bus aménagés, puisque maintenant c'est également un courant. Donc voilà, les gens ont tendance à s'orienter plutôt à la campagne ou à la forêt, puisque c'est beaucoup plus difficile de s'installer, par exemple, en ville. Et voilà. Donc le but des gens, c'est soit des difficultés de logement, soit un désir d'expérience de l'autonomie, soit pour être un peu plus à l'extrémité, soit complètement vivre en autarcie. Alors, néanmoins, ce mode de vie, en fait, il va dépendre, ben, et il va être fonction d'une réglementation. Et la route vers l'indépendance, en fait, elle est peut-être un peu longue et difficile, effectivement. Alors, la réglementation, elle tourne beaucoup autour, par exemple, de la loi Alur. C'est une loi qui a été adoptée en 2014, notamment le 20 février. Et cette loi Alur, elle a pour but actuellement aujourd'hui de faciliter l'implantation en fait de toute forme d'habitat, on va dire léger ou alternatif. Donc comme je vous ai dit, dans les habitats alternatifs, on va trouver les yourtes, les mobil homes, les caravanes, les roulottes, les tiny houses, voilà, les tipis, en fait, voilà, c'est très très large maintenant. Alors, en ce qui concerne le mode d'emploi administratif, en fait, on pourrait répartir en fait à la base trois configurations qui vont être reconnues un peu dans cette loi. Trois configurations particulières. Donc dans le cadre des habitations mobiles, la première, je dirais que ce serait un stationnement qui serait temporaire et annexe à votre résidence. Puis la deuxième, c'est un désir d'installation et de stationnement durable. Et trois, ça pourrait être l'aménagement d'un terrain familial. Alors si on regarde le cas de figure numéro 1 et numéro 2, c'est-à-dire un stationnement temporaire ou et un stationnement durable, tout le monde a bien sûr le droit d'installer un habitat mobile sur son terrain, mais la problématique apparaît en cas d'installation prolongée où il faut respecter certaines règles. Alors ce que je vous dis n'a pas lieu de véracité, puisque voilà, je ne suis pas avocate et je suis juste quelqu'un de curieuse, donc voilà. Contrôlez l'information par vous-même. Elle est peut-être plus actualisée, mon information également, mais voilà. De ce que j'en sais, c'est que, donc les règles, c'est qu'au niveau du code de l'urbanisme, et notamment l'article R421-23, lui, il stipule en fait qu'une toute installation supérieure à 3 mois par an doit obligatoirement faire l'objet d'une déclaration préalable. Dans le cas de figure où votre votre maison temporaire, en fait, elle fait moins de 20 mètres carrés. Si votre maison, elle fait temporaire, elle fait plus de 20 mètres carrés, alors il faudra faire une demande de permis de construire en fait à la mairie. Donc vous êtes libre de faire ce que vous voulez pour tout type d'habitat léger, mais il y a des règles à respecter. Et voilà, pour respecter ces règles également, si votre habitation alternative, elle a lieu d'être mobile, voilà, on comprendra l'importance de garder également les moyens de mobilité de l'installation. Parce qu'après ça, vous pourriez être considéré comme construction illégale et donc vous seriez passible d'amende et voire même de poursuite devant le tribunal de grande instance. Donc il est possible de légaliser en fait au-delà de 3 mois. Si vous utilisez une habitation en dehors de votre résidence principale, mais il faut faire en fait ce qu'on appelle une déclaration préalable. Et ça va être relatif à l'article en fait R421-23C du Code de l'urbanisme. Après, dans le cas de figure d'un aménagement, donc la partie 3, c'est un aménagement sur un terrain familial. Alors, contrairement à ce qu'on a vu, en fait, le terrain familial, lui, ce n'est pas une aire d'accueil, mais c'est bien un habitat privé. Et les terrains familiaux, en fait, localisés dans les parties constructives, en fait, ils vont être référencés en fait, sur les cartes communales.
Mais il faut faire attention parce qu'on a certaines communes qui ne possèdent pas de carte communale ni de POS. Et donc les autorisations, elles, à ce moment-là, vont dépendre en fait des articles R111-1 et R111-27 du code de l'urbanisme. Donc je le redis, le terrain familial, lui, il correspond à une habitation de type privé. Donc dans le cas de votre habitation de type privé, il peut être locatif ou complètement en pleine propriété. Donc sur les terrains familiaux, une simple déclaration préalable sera obligatoire. Mais néanmoins, cette simple déclaration préalable, elle peut être fastidieuse à obtenir en fonction des communes. Donc attention à vous. J'ai envie de vous parler un peu plus de la loi Allure. En fait, c'était cette loi en fait qui va concerner l'habitat léger. Alors cette loi Allure, elle est plutôt favorable en fait pour légaliser l'habitat léger depuis plusieurs années. On constate que ben pourquoi ben, il y a un succès en France. Donc j'ai exposé les facteurs externes tout à l'heure qui pouvaient expliciter ceci. Donc il y en a plusieurs, hein. Ça peut être motivé ou non motivé. Ça peut parfois même être subi. Et je pense que c'est le point qui a considéré. Et merci à la loi Allure, justement, d'autoriser et de légaliser ce type d'habitation. Parce qu'au fond, on a tous le droit de se loger, malgré nos moyens. Donc actuellement, on n'a pas vraiment un cadre légal très précis. Mais par contre, de l'autre côté, on a une volonté de plus en plus de personnes, en fait, de vivre complètement en autonomie. Et ça, actuellement, bah, ça peut entraîner des petits conflits locaux entre particuliers et collectivités locales. Donc si vous avez ce projet-là, attention, informez-vous, vraiment informez-vous. Alors à côté de ça, on a la loi LOPSI 2. Alors cette loi, elle est apparue en 2011. Et cette loi, elle disait qu'en fait, elle considérait tous ces habitats comme des habitats nomades, complètement illicites. Donc voilà, mais je vous rassure, cette loi, en fait, elle a été censurée par le Conseil constitutionnel. Et justement, cette loi Allure, elle est donc arrivée, en fait, on va dire, à point pour répondre à un besoin de combler actuellement un vide juridique sur ce point. Alors, la loi Allure, en fait, elle va supprimer officiellement les plans d'occupation des sols, c'est ce qu'on appelle le POS. Donc ça, c'est au 31 décembre 2015, pour inciter en fait les communes à mettre en place en fait un PLU, c'est-à-dire un plan local d'urbanisme. Et à côté de ça, donc, elle impose de façon associée donc les documents d'urbanisme qui devront être mis en place en fait pour tout type d'habitat. Donc la loi Allure, je l'ai dit, elle facilite l'implantation donc des habitats légers comme une résidence principale en définissant en quelque sorte les règles qui vont être que l'on va devoir respecter pour occuper un habitat en fait avec le minimum en termes de normes de qualité, sécurité et environnement. Puisque le point à soulever, c'est également le respect de l'environnement. Et on a énormément de gens qui, au jour d'aujourd'hui, sont conso et éco-acteurs et envisagent ce type de vie, en fait, tout simplement, pour respecter l'environnement. Donc voilà. Donc pour résumer, j'ai envie de vous dire, l'habitat léger, elle bénéficie donc maintenant en fait d'un cadre législatif qui paraît de plus en plus solide, même si des vides encore à mon sens persistent. On sort un peu de l'image que ces types d'habitation avaient, c'est-à-dire la marginalité. Et enfin, on peut enfin considérer ces modes d'habitation vers légalisé, ou on pourra le considérer. Restez très très prudent. Donc la loi Allure, en fait, elle va s'inscrire complètement dans les évolutions en fait de nos sociétés actuelles qui se modernisent et qui s'orientent en fait tout simplement parfois vers des modes de vie en fait plus écologiques, plus autonomes et plus responsables. Donc voilà, j'espère que j'aurais pu préciser votre curiosité. J'espère vous retrouver pour un autre YEPA épisode. Et voilà, je ferai peut-être d'autres formations un peu plus approfondies sur ce thème si il y avait vraiment un intérêt important sur ce type de sujet. Mais moi, je trouve ça super sympa. Donc voilà, YEPA, bonne journée tout le monde et à bientôt! Ah ouais?